Je suis le mec qui pourrit ton fil d'actualité. Si je publie pas tout ce que je me dis, j'ai l'impression que je vais crever. Entre ma haine de la pluie, la hausse du prix de café, bientôt mes problèmes de transit mériteront d'être publiés. Mon mur est tellement saturé de lamentations, bientôt les juifs du monde entier viendront prier dans ma maison. Je suis super engagé dans tout un tas de discussions, mais dès qu'une meuf se fait agresser, je suis le premier à changer de wagon. J'ai un besoin viscéral d'exprimer sur réseau social. Chaque réaction à mes statuts m'amène l'amour que j'ai jamais reçu de la part de mes parents qui retenaient jamais mon prénom. Mais ça je l'avais dit il y a longtemps dans mes anciennes publications. Et si tu trouves ça chiant, il suffit tout simplement de dire: ferme ta gueule sur Facebook. Mais personne le fait, les gens sont polis. Du coup on continue. Ferme ta gueule sur Facebook. Des photos de mon chat, de moi et de mon chat. Mon chat m'a griffé. Ferme ta gueule sur Facebook. Je suis la meuf qui pourrit ton fil d'actualité. Il y aurait un bouton pour me gifler, ça fait longtemps que t'aurais cliqué. Ma vie est mieux que la tienne, je suis héritière de formation. Et pour bien que tu t'en souviennes, je mets des photos de billets d'avion. Quand je mets des images de moi un peu stylées, je reçois des commentaires de gars qui espèrent un jour me niquer. Quand je me fais un kiff en mode cappuccino pancake, je fais une phrase à l'infinitif que je termine par le mot chef. Si jamais je vais en soirée que je crois tes amis, on passe moins de temps à s'amuser qu'à le faire croire à toute cette vie. Ici y'a peut-être un peu de fierté dans nos statuts en ce moment, c'est qu'on essaye de se rassurer en se masturbant publiquement. Aujourd'hui, mon boss m'a appelé par mon prénom et m'a fait une blague. J'ai couru 14 km, c'était dur, mais j'ai réussi. Je viens de croiser Mélanie Laurent au Bon Marché. Voici mon poème, perdu dans le silence réconfortant. Mon bibou a fait ses premiers pas et en plus... Je trouve que le vrai problème entre Israël et la Palestine... À partir d'aujourd'hui, j'interdis à Facebook l'utilisation de mes données personnelles, publications... Thank you.